Bonjour à toi, chers spectateurs, et comme le disait si bien Mathieu juste avant de commencer ces vidéos, parlons du film intercalaire entre Avengers Infinity War et Captain Marvel, et il se nomme Ant-Man et la Guêpe, ou Ant-Man and the Wasp, réalisé par Peyton Reed, le même mec qui avait fait le premier film qu'il avait repris aux mains d'Edgar Wright. Pour faire simple, l'histoire se passe juste après Civil War, mais reprend au moment où Hank Pym réalise que dans le premier volet, Scott Lang est revenu de la partie quantique, et donc que peut-être ça voudrait dire que sa femme est encore en vie. À partir de là, étant fugitifs depuis les événements de Civil War et du premier Ant-Man, ils vont essayer de construire un petit labo et de faire en sorte de pouvoir aller justement chercher sa femme. Petit Et labo. au milieu de ça, en plus, Scott de son côté est assigné à résidence, mais va se retrouver à devoir leur filer un coup de main lorsqu'un certain fantôme, c'est comme ça qu'il l'appelle au tout début, va débarquer et va essayer de leur voler justement le laboratoire. On ne sait pas pourquoi, dans quel contexte, ça reste à voir au milieu du film. Le fantôme est le personnage que l'on voit dans la bande-annonce, de toute façon, vous l'avez tous vu. Tout à fait. Il est de retour Oui. après 1 an et demi d'absence quand même sur cette chaîne, mais il est là, Mathieu, ou le mec au chapeau. Ah, moi je pensais que c'était Ant-Man. Moi je me suis fait tout Mais petit, tu t'étais fait tout petit, mais il était partout dans les vidéos. Je vous invite à essayer de le retrouver, mais il était partout en tout petit dans chacune des vidéos. Il se cachait, il essayait de donner son avis. Il était là. Hé, moi aussi, je veux dire quelque chose. bien je suis là et je crois que nous avons des choses à dire sur ce film. Comment vas-tu déjà? Ben, je vais très bien, Valentin. Merci beaucoup Mais et tant mieux. merci encore de me réinviter. C'est toujours un plaisir Mais discuter écoute. cinéma avec toi. C'est normal et tu sais bien que j'aime beaucoup parler cinéma avec toi. Ant-Man donc et la Guêpe était le film qui semblait vraiment se glisser au milieu de la guerre donc de Avengers Infinity War et avait l'air d'être un film que peu de gens finalement parmi les fans de Marvel attendaient. Il suffit de voir les premiers scores qu'il a fait au box-office américain et de voir que contrairement à la plupart des films Marvel, il sort d'abord aux États-Unis avant de sortir chez nous, alors que sinon tous les autres Marvel sortent d'abord chez nous et ensuite aux États-Unis. Je pense qu'il y avait une vraie crainte de la part de Disney et de la part de Marvel sur ce film, de voir ce que le public allait en dire, ce que le public allait en penser, ce que le public allait voir au travers de celui-ci, est-ce qu'ils allaient voir encore le fantôme d'Edgar Wright survoler le personnage, est-ce qu'ils allaient voir au contraire une œuvre un petit peu atypique, sortir de l'ordinaire, sortir vraiment des gonds de Avengers et proposer un petit divertissement à part. Il y Est-ce avait que beaucoup de Disney choses. aussi ne se disait pas, on fait un truc qui va un petit peu craindre avec Solo, là aussi, vu que Ah, il y a aussi c'est ça. une demi-série dans le Marvel Cinematic Universe, on va y revenir, là aussi c'était un coup d'essai, ou un coup dans l'eau, peut-être, dans l'idée en tout cas des pontes de Disney. Un coup dans le monde quantique. Oui, Tout ça par petit, contre. tout petit, tout petit, tout petit, tout Ah, petit. ce film n'était pas si petit que ça. Et bah justement, je vais te lancer tout de suite là-dessus, Mathieu. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette guêpe et de cet homme fourmi? Eh bien, personnellement, j'ai bien aimé la guêpe et l'homme fourmi, mais le problème, c'est simplement que ce film-là, intercalaire, on peut le ranger n'importe où, en fait, mais il aurait été mieux avant Infinity War, pour une raison qu'on va revenir dessus aussi. Mais il est bien comme film, comme Ghostbusters est bien dans le MCU, c'est-à-dire que s'il n'est pas dans le MCU, ça va, ça passe bien. Le problème, c'est qu'il y est. Il y est raccordé, mais ce qui s'y passe n'a aucun intérêt dans la grande saga. C'est un petit souci. T'as un petit souci, mais moi ça ne m'empêche pas de dire que je trouve que ça reste un divertissement qui est bien meilleur que ce que Marvel a l'habitude de nous proposer Tout à avec la fait. batterie d'YesVan dernièrement. Je mets Black Panther vraiment de côté parce que je trouve que Black Panther a un côté très atypique et ne se font finalement que très peu dans la masse des Marvel, étrangement. Mais on va dire que si on prend Civil War, même Thor Ragnarok, en un sens qui est sympathique, mais qui n'a pas cette petite étincelle qu'on pouvait voir au tout début, il y a beaucoup de films Marvel qui sont très génériques, réalisés par des mecs qui ont tendance à débarquer sur les projets. Et c'est un petit peu ce qu'on a reproché à Peyton Reed sur le premier film, d'avoir tendance à justement un peu mettre un calque et reprendre les éléments de base de la mise en scène d'Edgar Wright et avoir du mal à vraiment se créer une vraie identité. C'était le symptôme de la phase 2, Tout à surtout. fait, tout La à phase fait. 3 avait pas mal rattrapé le coup. Et ce film-là, c'est un film de la phase 3, malheureusement dans la phase 4. Tout à fait, Donc tout à fait. il est un petit peu à côté. Mais en même temps, effectivement, je suis d'accord avec toi. Si on le prend vraiment à part en tant que divertissement lui-même, c'est un film honnête et c'est un bon divertissement, c'est quelque chose de très bien fait. Ah oui, non, là-dessus, c'est radical. En fait, dès les premières minutes, on se rend compte que le film est vraiment
j'irais presque, sans être méchant, ça fait un peu office d'épisode filler presque entre Infinity War et Captain Marvel, mais il l'assume presque dès le début en posant un postulat qui va vraiment appartenir à l'univers d'Ant-Man et en ne cherchant pas, comme la plupart des autres Marvel, à poser quelque chose qui va forcément devoir se raccorder avec Infinity War ou avec le prochain Gardien de la Galaxie ou potentiellement avec Black Panther ou alors avec Thor. C'est pas ça, c'est vraiment un film qui se prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire une suite du premier Ant-Man. Et moi, j'ai bien aimé ça. Et la première scène véritablement du film, c'est-à-dire une petite scène avant le générique, qui est une scène assez tragique, mais la première vraie scène du film, justement, pose aussi bien l'écriture que la mise en scène, avec justement un jeu de Scott Lang, le héros, Ant-Man, encore c'est plutôt le sidekick que le héros, qui joue avec sa fille. Là, déjà, on pose beaucoup de choses. Ça va être le ton du film, puisque c'est rigolo, et en même temps, c'est travaillé. C'est vraiment une comédie, voilà. Hein, par contre. Le film est référencé comme un film d'action, d'aventure et de science-fiction. Pour moi, c'est plus une comédie d'action et de science-fiction. C'est vraiment drôle, et c'est vraiment bien justifié dans son comique, en plus. Voilà. Mais je pense que c'est noté comme ça, parce que effectivement, le postulat de base, c'est un postulat de science-fiction. Même, c'est plus exactement du pulp, du comic books, des années 70. Il faut de la pulp fiction. Pulp fiction, on peut le dire comme ça. Ah bah c'était ça aussi. Là, on y reviendra aussi sur la question de la cohérence. Mais là-dessus, il fait son taf. Et il explique bien, on est là pour se marrer, pour se faire plaisir, et en même temps pour avoir des personnages qui sont sincères. Et là-dessus, je ne peux pas lui reprocher ça. Et le réalisateur... très bien réussi ce pari-là, je pense. Moi, je te propose qu'on passe tout de suite à l'écriture parce que je pense que c'est le point sur lequel on va avoir pas mal de choses à dire parce que l'écriture, c'est pour moi le truc dans lequel il réside le plus de qualité mais également les petits défauts inhérents justement à cette fameuse cohérence dont on va évoquer. Donc, c'est écrit par Andrew Barrer, Gabriel Ferrari, Eric Summers, Paul Rudd et Chris McKenna. Ils sont quand même collés à 5. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un Marvel qui avait nécessité autant de scénaristes parce que d'habitude, ils sont genre 2 ou 3. Il y a Marcus et McFeely sur la plupart des Marvel, que ce soit les Captain America, certains Thor, enfin, ils sont généralement 2 grands max, voire 3. Là, ils sont quand même 5. Ça montre bien, et je pense, ça part dans la même optique que le premier Ant-Man qui est écrit, si j'ai bonne mémoire, par 4 auteurs aussi. Et on sent vraiment qu'il y a cette envie de vouloir générer un film qui ait une base d'action, comme tous les autres Marvel. Mais il y a Paul Rudd et Chris McKenna. Chris McKenna, qui est surtout connu pour avoir réalisé et écrit dernièrement Lego Batman, que peu de gens, je pense, malheureusement, ont vu, mais qui est très, très drôle. C'est un très bon film. Très, très drôle. Et le fait que, dans l'écriture, il y ait Paul Rudd et aussi donc, Peyton Reed, ça prouve bien que c'est une équipe qui s'est vraiment investie pour faire le meilleur. C'était pour en faire un film qui, eux, leur parlerait à eux. Donc c'est un gage de qualité. Mais ils ont voulu se l'accaparer vraiment, on sent qu'ils n'ont pas voulu se limiter à simplement faire une histoire qui soit uniquement filler, ils ont voulu vraiment s'accaparer le comique entre guillemets du film pour faire en sorte de donner lieu à quelque chose de plus qu'un film d'action lambda qui allait se glisser entre deux métrages Marvel. Et Paul Rudd est un très bon Scott Lang là-dessus, il n'y a pas à dire. Mais personnellement, j'ai aussi beaucoup apprécié les personnages joués par Evangeline Lilly et par Michael Douglas, qui pour moi sont les deux vrais héros de ce film. De toute façon, l'écriture nous les place dès le début comme les héros centraux vraiment du métrage. Dès le début, c'est la quête du film, ça n'est pas Scott Lang qui va devoir encore une fois trouver... devoir encore prouver à sa fille qu'il mérite le costume d'Ant-Man, ou alors ça va pas être un enjeu qui va être du genre pourquoi est-ce que Ant-Man n'était pas dans Infinity War. C'est simplement Hank Pym et Hope Van Dyne qui veulent retrouver leur maman et leur femme. Ouais. C'est tout. C'est un postulat très sommaire, mais ça rejoint, et en ce point-là, je trouve très intéressant justement que ça soit présent dans l'écriture, cette idée de famille qui était déjà très présent dans le premier métrage. On sentait vraiment cette envie de voir Scott absolument rejoindre sa fille, reformer une famille. Le premier geste qu'il avait lorsqu'il sortait de prison, c'était d'aller retrouver sa femme, son ex-femme, parce qu'il espérait encore une fois pouvoir reformer cette famille. Et là, il y a encore une fois cette idée-là, cette quête quasi impossible, mais que les personnages vont vouloir absolument atteindre, de se rassembler, de se retrouver, de reformer un groupe. Bah, dès le départ, en plus, pour Scott Lang, on expédie la question de sa famille, puisque justement, même le nouveau compagnon de sa femme lui fait un gros câlin. Donc, ce qui est d'ailleurs absolument à mourir de rire comme séquence. Ce sont vraiment, franchement, le gros point fort de ce film, c'est son écriture de personnages. Là-dessus, je crois qu'aucun n'est raté.
Ouais. On est oublié. Non, mais ouais. Comme je te le disais, en plus, quand on revenait, les sidekicks sont bien écrits, notamment Louis, qui est pour moi un monument de comédie qui est absolument jubilatoire, mais ça, c'était déjà le cas dans le premier, mais là, c'est encore plus subtil. Les deux compères, justement, de Louis, qui sont très, très bien écrits, et méchants. Et oui, même Ousmane, qui est le troisième couteau, on se souvient de Ousmane. Il y a quelque chose, je sais pas, il y a vraiment, on sent que, encore une fois, c'est très présent dans les comédies américaines. Si vous regardez, le travail d'Adam McKay, de Will Ferrell, de John C. Reilly, de tous ces mecs là, leur but c'est de créer des comédies où les personnages sont tellement attachants ou tellement charismatiques que dès leurs premiers instants à l'écran, on a envie de s'attacher à eux. Et en cela, on retrouvait beaucoup le travail d'Adam McKay sur le premier Ant-Man, où il y avait cette envie d'accrocher absolument le spectateur à des personnages, comme c'est souvent le cas. Genre, par exemple, moi, je repense, j'ai revu dernièrement Ricky Bobby, Roi du Circuit. Oui. C'est génial la manière avec laquelle ils instaurent les personnages. Le repas de famille, l'arrivée du français, tous les trucs comme ça. Il y a vraiment ce travail, cette subtilité de ne jamais délaisser un personnage au profit d'un autre. C'est tout le temps un personnage qui en amène un autre ou qui en complète un autre. Et on ressent vraiment ça dans l'écriture dans Ant-Man et la Guêpe. C'est vraiment, nous sommes actuellement dans Hollywood en général, enfin, l'écriture américaine, vraiment dans une appréciation des personnages qui fait vraiment le sel de beaucoup de séries et de films. Et autant, tu vois, je pense pas que ce film, techniquement, va être enseigné dans les écoles de cinéma. Mais par contre, au niveau de l'écriture, je pense que ce serait effectivement un bon matériau. Ah bah c'est un des Marvel qui est mieux écrit. Voilà, c'est mieux écrit. Pour apprendre l'écriture de dialogue et de personnages. Donc peut-être qu'il va se retrouver dans les écoles de cinéma américaines pour cela, à mon avis, il le mériterait bien. Mais comme tu le disais, c'est assez marquant parce qu'à chaque fois, quand tu l'as dit, tu as cité les deux exemples que je trouve très marquants, c'est les introductions des personnages. Ça montre bien qu'à ce moment-là, il y a vraiment, au-delà du travail de composer un personnage, de le mettre en place, etc., il y a vraiment cette idée de comment on introduit un personnage, comment bien l'introduire. Voilà. Ce qui est souvent quelque chose de très compliqué si vous regardez dans les Marvel. Thanos est l'exemple le plus probant. Il faut 17 films quasiment à Marvel pour introduire un personnage. Ce qui montre bien que McFeely et Marcus ont eu du mal à placer des éléments pour faire en sorte qu'à la fin, ils puissent le mettre en place. Même si ça marche. Là-dessus, tout le monde a été d'accord. Le personnage de Thanos marche parce que dans le film, au sein du film, ils ont réussi à bien l'écrire. Mais avant, ils ont eu du mal à l'introduire. Là, c'est pas le cas. Là, je crois qu'on est en train de se perdre un petit peu parce que Thanos, c'est dans Infinity War. On se perd. Pas trop loin. Alors, je savais proposer ça, mais on va faire un petit spoiler qui n'en est pas franchement un parce que là, vous avez normalement tous vu Avengers Infinity War. On va juste parler de la petite scène, en gros, qui fait le lien entre Infinity War et Ant-Man et la Guêpe. Qui pour moi, et je trouve que tu as très très bien pointé ça au début de la vidéo et hors de la vidéo, ça démontre bien en fait cette scène, que ça aurait été la meilleure scène post-générique pour la phase avant 3. Infinity War. Voilà, pour la phase 3, ça aurait été excellent, parce que, vous le savez, dans Infinity War, il y a des personnes qui disparaissent pour une raison ou pour une autre. Allez, on garde ça pour ceux qui n'ont osé pas voir Infinity War. Disons la poussière. Voilà. Donc, il y a de la poussière. Et on sait ce que ça signifie, quand on a vu le film. Et ben là, ça arrive à la fin, donc quand tous les enjeux du film sont résolus. Si bien que là, si c'était venu avant Infinity War, on serait posé la question, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et ça aurait été génial. Et là, ça aurait été génial. Là, par contre, ben c'est, d'accord. Donc, ça faisait bien partie du moment d'Infinity War. Mais il suffit de voir la plupart des réactions des gens qui ont eu dans la salle. Il y en a certains qui ont crié « Oh, mais comment on peut nous laisser là à ce moment-ci ?» Ouais, c'est ça. Ben, ça s'imite à ça. C'est comment on peut nous laisser là à ce moment-là. Et effectivement, si ça avait été un film dans le MCU, j'entends bien dedans, normalement, cette scène-là, c'est au moins une scène du milieu du film. Là, ça aurait été assez extraordinaire. Et j'aurais bien apprécié aussi de voir ça. Mais c'est simplement la fin. Donc, c'est... Ce qui n'enlève pas de la qualité au film en lui-même, c'est simplement que ça le décrédibilise un petit peu, je trouve. Dans la saga du Marvel Cinematic Universe. Dans l'immense saga du MCU. 15 films. 18 films. 20 films maintenant. 20 films. Je perds le compte. Hein. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. 10 ans. 10 ans seulement. Ah oui, il y a le 10 dans le Marvel Studio. Ah, on s'y perd parce que j'ai vu que les Indestructibles 2, ça faisait 15 ans que le premier était sorti. Moi, je pensais que c'était sorti après Iron Man 1. Et ben non, c'était bien avant, c'était des visionnaires. On a bien vu, c'était des visionnaires. Oui.
Je te propose qu'on passe un petit peu à la mise en scène de Peyton Reed, oui, pour parler un petit peu de son travail. C'est assez rapide, je crois. Oui, moi je te le dis très honnêtement, mm-hmm, je trouve qu'il y a quelques bonnes idées. Mm-hmm. Mais qu'encore une fois, il y a le fantôme d'Edgar Wright qui survole un petit peu le film, sauf dans un point que Peyton Reed n'a pas gardé, alors là on en parlera après, mais le format pour moi ne fonctionne pas. Ce scope, tu as été très sensible, ce scope ne fonctionne pas, et je vous dirai la même chose que pour Pacific Rim Uprising. Mm-hmm. Ça sert à rien de faire du scope pour montrer des grandes créatures. Dans le scope, les grandes créatures ont une taille très sommaire, alors que dans un flat, donc le format par exemple là de la vidéo, ça a de l'impact, parce que la grandeur est impressionnante, parce que notre œil d'être humain a tendance à, entre guillemets, voir en flat. Mmh. C'est-à-dire, il suffit de voir que les films IMAX sont projetés en flat. Eh oui. Ben, personnellement, je ne dirais pas qu'il y a un fantôme d'Edgar Wright au-dessus de Peyton Reed, je dirais plutôt on sent le maître qui a transmis à l'élève. Oui, Est-ce que Peyton Reed est devenu un maître? Je ne pense pas encore. Est-ce qu'il a bien digéré les mets de son maître? Est-ce qu'il a bien digéré les mets de son maître? Oui. En particulier au niveau de la fluidité et de la rythmique. Là-dessus, je n'ai rien à redire. C'est un petit travail, un petit bijou. C'est fluide, c'est tranquille. Ah, c'est impressionnant. Les phrases s'enchaînent bien. Les scènes aussi. Les scènes s'enchaînent bien. Et le film dure 2 heures, honnêtement. Ouais. On l'a pas vu passer, c'est impressionnant. Ouais. Alors que plein de films en ce moment, on se dit, ah dis donc, c'est trop long, ça aurait le mérite d'enlever une petite demi-heure ou un petit quart d'heure. Ouais. Rien à enlever là dans Ant-Man 2, rien. Parce que chaque péripétie, en fait, n'accapare pas le spectateur, ça se résout bien et c'est fait de manière vraiment professionnelle. La scène dans l'école, moi je me disais, ok, ça veut dire, on va avoir un quart d'heure où en fait, ils vont devoir faire un détour, mais ce détour-là ne prend que 5 minutes. Et c'est 5 minutes très très drôle. C'est un bon gag qui en même temps inscrit bien le personnage dans son univers. C'est très bien trouvé, moi, je trouve. Oui, c'est vrai que cette séquence-là, maintenant que tu la remets dans ce contexte, c'est vrai que sur le coup, c'est une des séquences où j'ai le plus ri, moi, honnêtement. Il y a un gag qui est utilisé dans cette séquence-là. Alors que faut être un putain d'auteur pour avoir l'idée. Plus qu'un gag, c'est un foreshadowing, donc une préparation pour un problème qu'il va y avoir après. Oui. Donc ça, c'est... Et qui fonctionne encore mieux, du coup, avec ce petit impact. J'ai juste de penser à un truc. C'est pas seulement parce qu'il y a un problème, mais ça aussi, ça prépare une ruse. Oui. Le tour de magie, voilà. Le running gag de tout le film. Oui, de toute façon, tout le film est un tour de magie et s'amuse bien, du coup, avec ça. Très bon. Mais je pense, du coup, qu'il y a... En y réfléchissant, nous. Il y a quand même cette idée derrière la mise en scène de Peyton Reed. Je dis que Peyton Reed a vraiment le fantôme d'Edgar Wright qui pèse derrière lui, mais j'aime bien la théorie de Mathieu, comme quoi il aurait bien digéré les mets du maître pour ensuite arriver à retransmettre quelque chose d'à peu près intéressant. Et ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est qu'il joue beaucoup justement sur cette idée de magie, sur cette idée de tour de magie. Apparition, disparition, jeu de mise en scène autour de ça, notamment la fameuse séquence où les flics redébarquent chez Scott et où il y a la fourmi dans le bain et où 2 secondes plus tard, il y a Scott qui est là. Il y a vraiment ce jeu de jouer un tour de magie. Et là, en plus, ce qui est très intéressant dans la mise en scène, c'est que c'est encore une fois l'enfant qui est au centre du tour de magie. C'est l'enfant qu'on va berner et ensuite on va berner l'adulte. Mmh. Et c'est très intéressant. Et en plus, à moitié, ce jeu aussi de transformer la petite fille en... Vu qu'elle ne peut pas être la comparse de Ant-Man, la comparse de Scott Lang, magicien aux 1000 visages. Voilà. Et puis là, au moins, c'est pas... Alors, la petite actrice qui joue pas trop mal. Ah, elle est bien, moi, je la trouve bien. Pour une enfant, en tout cas, c'est sûr que ça la joue bien. Bon, elle a des répliques peut-être un petit peu trop évoluées pour son âge. Mais surtout, au moins, c'est pas un gamin tête à claque. Mon Dieu. Ah, c'est vrai que oui, il y en a marre des gamins tête à claque au cinéma. Mais non, ouais, en final, vous voyez, c'est impressionnant parce que Ant-Man 2, dans la tête de beaucoup de gens, ça va sonner comme un film très anecdotique, mais au final, c'est peut-être un des films qui est peut-être pas forcément le plus marquant en termes de mise en scène, où l'écriture va peut-être pas transcender tout le monde, parce qu'il faut être réceptif aussi à ce type d'écriture. Mais c'est pour moi un des films qui est l'exemple de ce que Marvel devrait suivre à l'heure actuelle. Oui. Un film qui à la fois se comprend, analyse la mythologie de son personnage pour en saisir l'essence et du coup la retranscrire dans un film qui se savoure seul et où simplement on a la sensation qu'il y a un studio qui a un poids derrière et qui l'oblige ensuite à revenir dans l'univers. Alors,
qui se savoure seul. Par contre, là, je serais un petit peu... Bon, avec le premier. Parce que, avec le premier. Parce que, non, mais moi, surtout, ce qui me plaît dans l'idée du Marvel Cinematic Universe, c'est que, justement, chaque film devrait pouvoir se répondre aux autres. Et, effectivement, par contre, pour ce qui est de l'équilibre au niveau de la réalisation et de l'écriture, effectivement, que ce soit entre Black Panther et Ant-Man et la Guêpe, franchement, ce sont les deux films les plus équilibrés, je crois. Et parce que ce sont deux modèles très différents, voilà, qui arrivent à se comprendre l'un et l'autre. C'est du flamboyant et en même temps soit rigolo, soit tragique. C'est ça. Et dans les deux cas, je pense qu'il y a la flamboyance de Marvel, c'est la patte du cinéma de Marvel, c'est la flamboyance. Mais en même temps, soit le comique, soit le tragique, qui sont bien utilisés. Avec deux, voilà, de bons le flamboyant de Black Panther et l'intelligence et la comédie de Ant-Man sont, voilà, peut-être les deux plus grands drapeaux que Marvel devrait mettre en avant. Et arrêter avec Infinity War et l'utilisation un peu trop abusive de personnages qui ne se répondent pas. Voilà, pardon. Désolé. Oui, Bucky, tu as disparu de, voilà, nos mémoires, comme alors, du film, d'ailleurs. Alors que tu étais à peine arrivé dedans. Ah. Bref, le casting. Oui. Paul Rudd. Ça va, très correct. Toujours très bien. Moi, j'adore Paul Rudd, de toute façon, vous pouvez me le sortir dans n'importe quel rôle, mais depuis que je l'ai vu dans Clock Mode d'emploi, je suis amoureux de Paul Rudd. Mais je pense que, en fait, c'est un petit peu comme celui qui joue Iron Man. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. C'est, ouais, quelqu'un qui est fait pour ce rôle-là. Oh oui, complètement. Il est fait pour ce rôle-là. Tout comme, moi, je trouve Evangeline, qui, elle, a une vraie carrure héroïque. Ah oui. Ce qui... Elle, c'est la vraie héroïne. C'est la vraie héroïne du film, et elle le porte très bien, son, mmh, personnage. Elle arrive vraiment à emmener le film de bout en bout, et elle a quelque chose. Ah, voilà, ça se voit d'ailleurs. Là, c'est Paul Rudd. Là, c'est Evangeline. De toute façon, elle est en haut et elle regarde en l'air. Voilà, de toute façon, elle est supérieure à lui. Au niveau des rôles secondaires, Anna John Kamen dans le rôle de Ava ou, oui, slash Ghost, oui, elle est bien. Après, son jeu est un tantinet caricatural par instant, bah, je dirais. Mais comme Walton Goggins. C'est un personnage sens. Un petit peu qui veut ça. Moi, le seul souci que j'ai avec ce personnage-là, et je vais rentrer un petit peu sur la cohérence, on en reviendra plus tard, c'est que il y a le souci de Marvel depuis ses comics, c'est que les personnages se tapent dessus avant de se parler. Or, Ava, tu lui parles deux minutes, bah, elle n'a plus de problème, non? Parce que là, justement, il, oui, y a tout, bah, pour à elle. À la fin, il parle. À la fin, il parle. Pourquoi ils se sont pétés la gueule avant? Je veux dire, c'est drôle, ils tombent sur la gueule, c'est drôle. La première fois, je comprends. Je veux dire, Scott Lang avait toute une scène où il pouvait justement lui parler en lui échappant, et comme ça, la convaincre. Ça prend 5 minutes. Bon, ça fait moins d'effets. Ça fait moins d'effets, mais... c'est souvent ça. Mais comme je te disais, là, c'est un peu le souci, c'est que Marvel a peur de son public en un sens aujourd'hui, et que du coup, oui, il préfère donner des coups avant de donner des explications. Et je pense que c'est un petit peu ce qui est flagrant dans leurs films. C'était déjà dans leurs comics. Oh oui. C'est Stan Lee qui disait ça, justement. Il vaut mieux commencer par une bagarre, parce que ensuite discuter, ça ennuie un peu le spectateur. Ce qui n'est pas forcément le cas si on regarde Tarantino. Il parle avant de faire des scènes d'action. Michael Douglas est très très bien. Excellent. Aussi. Excellent. Et Michael Peña, dans le, oui, rôle de Lewis. Pour moi, je l'aime, ce mec. C'est un des mecs qui est les plus doués de sa génération en termes de comédie. C'est un mec qui sait vraiment faire construire un sketch, je trouve, rien qu'avec sa posture et surtout, physique et ses dialogues. On lui a fait un sketch spécialement pour lui, parce qu'à un moment, il fait un flashback, mais sans être dedans, ou quasiment pas. Et pourtant, il est dedans. Et pourtant, il est dedans. Et les acteurs... C'était déjà présent aussi dans le premier, ce genre de sketch. Mais là, c'est vraiment... Acteurs, se sont mis, effectivement, pour ce personnage-là. Et ça lui est vraiment dédié, là, voilà, pour le coup. C'est vraiment lui qui porte ce sketch. C'est la beauté d'un bon acteur, au sens propre. C'est quelqu'un qui arrive à créer un rôle, à donner une vie et une âme. Ça, oui, c'est bien. Et pas simplement à être le comic relief. Oui. Ce qui est très important, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à te filer à ce genre d'acteur, oui, et à d'autres acteurs de cette veine-là, uniquement des personnages de comic relief, alors que ce sont des mecs qui sont capables de porter des personnages très bien. Et là, Michael Peña le démontre de la plus belle manière qui soit, je trouve. Oui. Du coup, Mathieu, on arrive à la fin de cette petite vidéo et j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu retiens de Ant-Man and the Wasp. Je retiens deux excellentes heures, pas perdues de ma vie. Franchement, c'est ça ce que je demande aussi à un film, parce qu'il y en a malheureusement qui ne valent pas ça. Non, celui-là vaut le détour. Je pense que même je me le prendrai pour ma collègue, qui grandit toujours, mais aussi et surtout hein, parce que ce genre de film... J'apprécie de les voir et de les analyser quand il y a quelque chose à retirer. Et ce film-là, on peut en retirer quelque chose. Donc moi, je le conseille à tous ceux qui aiment le cinéma, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il change de taille.
Et ben, je suis tout à fait d'accord. C'est peut-être l'un des Marvel les plus équilibrés, parce que là où Black Panther était une œuvre peut-être un peu trop sérieuse et du coup touchait un certain public qui plutôt mature, Ant-Man and the Wasp a l'avantage d'être un film qui est vraiment pour toute la famille et de cristalliser l'essence même de ce que doit être un petit peu le cinéma de super-héros. C'est-à-dire un cinéma avec de la finesse, avec de l'écriture, qui manque peut-être de mise en scène. Ok, oui, ça, on pourrait encore avoir un débat de 2000 ans sur est-ce que Peyton Reed a vraiment fantôme ou est-ce qu'au contraire, il a bien digéré l'œuvre de son maître. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une œuvre faite par des mecs qui aiment le personnage, qui aiment les personnages, qui ont envie de faire partager ça aux spectateurs. Et pour moi, ça fait que Ant-Man et la Guêpe, ou Ant-Man and the Wasp de Peyton Reed, est un divertissement. Et je pense qu'à deux, on vous conseille de le voir en salle. Parce que c'est l'un des Marvel les plus intéressants, je trouve, depuis un bon petit moment. Quand c'est même. Un film honnête. Il promet quelque chose, il donne ce quelque chose. Et ben voilà. Oui. J'ai envie qu'on reste là-dessus. Je trouve que c'est une phrase qui cristallise à merveille ce film. Bravo, mon cher Mathieu. Bravo. Pour voir un petit peu ce que fait Mathieu, je vous conseille deux liens. Il y a VHS, l'émission qu'il anime avec Fabien, qui est donc une émission qui parle des films dont on ne parle pas forcément, mais qui ont tout de même besoin d'être évoqués. Une émission par mois. Et là, il va y avoir une émission spécialité qui va sortir. Oui. Et à côté, il a sa chaîne perso, qui est peut-être peu productive, mais qui va peut-être le redevenir, parce que tu as plein d'idées. J'ai plein d'idées. Il ne va pas vous les dire, il va les garder secrètes, mais il a plein d'idées. Non. Et en plus, je te réinviterai volontiers sur ma chaîne. Et bah, avec plaisir. Tu sais bien qu'avec plaisir, tu viens ici, je viens chez toi, on est tous à la maison, et c'est ça qui est magique ici. Comme d'habitude, nous allons dire aux gens d'aller voir des films. Moi, ça m'attire bien d'aller voir des films. Oh, il connaît la phrase. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. À plus. À plus.